L'Alex Harmonica, quels sont les effets de l'alcool sur le plan astral, mental, etc. J'aime bien les mojitos et la margarita. Alors, les effets de l'alcool sur le plan mental, ils sont pas très grands. Sur le plan astral, oui. Parce que l'astral, n'oubliez pas que l'astral, la lune existe sur le plan astral, que la lune régit les liquides, que l'astral est le plan liquide cosmique, et que l'alcool, c'est du liquide. Et qu'en plus, c'est de l'alcool, et les vapeurs éthériques sont également gérées par des nourrissent des entités du bas astral et des entités du monde éthérique. Donc, c'est pas du tout bon de boire de l'alcool en permanence. Vous pouvez faire un petit excès, boire un petit verre, vous bourrez la gueule un soir. Vous allez avoir des bestioles qui vont venir sur vous dans l'éthérique pour se remplir de vos vapeurs. Hein. Mais votre corps, votre foie va faire le travail, il va distiller. Et le lendemain, c'est fini. Deux jours après, c'est terminé. Mais quelqu'un qui boit en permanence, bah, il émane de lui des vapeurs éthériques. Et c'est des entités éthériques qui viennent se coller à lui ensuite. Renseignez-vous sur le syndrome de Trémince. Le syndrome de Trémince, c'est des bestioles qui viennent sur vous. C'est des bestioles qui sont dans le monde éthérique. C'est la merde. Parce que ça, pour s'en débarrasser, bonjour. Parce que ces bestioles-là, elles vont vous pousser à continuer à boire parce qu'elles sont abreuves de tout ça. Donc elles continuent elles vont vous pomper votre vitalité. Et vous allez vous retrouver en moins de deux. Raplapla, les gars.